Bon, ici, je vais voir donc toujours au niveau des équations de droite. L'équation de droite en géométrie analytique plane, tout a été vu auparavant. Hein. Bon, c'est juste un rappel que je vais faire, mais en même temps, retomber sur une forme d'équation canonique de droite qu'on utilise assez souvent en géométrie analytique plane. Donc, en géométrie analytique plane. Bon, ceci étant dit, je vais trouver en géométrie analytique plane une équation de droite qu'on appelle la droite Y égale mx plus p. Mx plus p. Voilà, et ça c'est utilisé en géométrie analytique plane, la droite Y égale mx plus p. Bon, vous pouvez retrouver la même équation Y égale ax plus b. C'est la même, mais un détail près. Un détail près, c'est que celle-ci est utilisée en analyse pour les fonctions. Donc, quand on utilise les fonctions, elle est tenue à un certain domaine. Donc, là, on n'a pas l'existence de n'importe quelle droite. Il n'existe pas toutes les droites possibles imaginables qu'on peut retrouver en géométrie analytique plane, mais on ne les retrouve pas en analyse. Hein. Notamment parce que si je prends la droite comme ceci, une droite comme ceci, ça c'est pas une fonction. Or, en géométrie analytique plane, je peux avoir un dessin qui fait ça dans un rapport orthonormé, par exemple. Mais ça, je peux pas avoir dans les fonctions. Donc, toutes les fonctions n'existent pas, enfin, toutes les droites n'existent pas, je veux dire, en analyse. Parce que c'est en analyse, dans les analyses de fonctions, on parle de fonctions. Je veux dire, donc, il faut qu'on ait des fonctions. Si on n'a pas de fonctions, on restreint un domaine défini. Voilà. Et ce qui n'existe pas, on le rejette. Voilà, ça c'est pour les analyses de fonctions. Mais en géométrie analytique plane, on n'a pas ce problème-là, parce que on n'est pas obligé d'avoir une fonction. Ceci étant dit, rappelez-vous que si je prends, je suis en géométrie vectorielle, l'équation de la géométrie vectorielle, d'une droite, c'est AB est égal à lambda AC, c'est-à-dire que on a une proportion AB proportionnelle à AC. Quel que soit lambda appartenant à R, bon, on évitera le 0, hein, parce que le 0, ça sera un point. Bon, c'est un point particulier. Si je mets lambda égale 0, j'ai un point. Hein, bon, j'ai plus de droite. Bon, pour éviter ce cas-là, je veux bien enlever le 0. Donc, je prends R sauf 0 pour éviter de parler d'un point. Ne pas inclure ce point-là, parce qu'on va parler de deux points distincts et pas d'un point confondu. Donc, je vais enlever ce fameux. Ouais, je vais prendre lambda appartenant à R0. Voilà. Je vais enlever le 0. Parce que si lambda vaut 0, je parle d'un point, mais ici, ce n'est pas le cas. Je parle de droite. Alors, ceci dit, si j'ai A, là un point B, là un point C, aligné. Donc là, je peux tracer une droite sur ces trois points alignés. C'est ce que j'ai fait, que je vais appeler la droite D. Bon, vectoriellement, je n'ai pas de système posé. Comme je l'ai déjà expliqué, tout ça a été vu. Mais je peux dire que AB est proportionnel, si vous voulez, au vecteur AC. Donc un scalaire fois un vecteur, ça donne bien un vecteur. Donc AB proportionnel à AC. Voilà. Maintenant, si je pose ça, c'est en géométrie vectorielle, on a bien l'équation de droite. Ça, c'est, on a bien, enfin, on a bien une droite définie au niveau vectoriel. Voilà. Ça, c'est au niveau vectoriel, j'ai défini la direction d'une droite. Mais maintenant, si je me retrouve en géométrie analytique plane, je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, là, à ce moment-là, il faut que je pose un repère orthonormé, et à ce moment, enfin, un repère, je m'excuse, un repère tout court, un repère, et là, bon, vous comprendrez qu'il faut que je mette un vecteur de base qu'on appelle i, et un vecteur de base j. Je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, il faut aller voir les vidéos précédentes. Et donc, on va dire que ce vecteur AB décomposable parallèlement à l'axe X, qu'on appelle l'axe des abscisses, et parallèlement par rapport à l'axe Y, l'axe des ordonnées, pour en former une coordonnée. Et donc, ce fameux vecteur AB va se décomposer en un vecteur AX, on va dire AX1, plus, si vous voulez, X1B. Et là, c'est bien AB. Donc j'aurai une composante en i, si vous voulez, une composante en j. C'est pour ça que, bon, comme c'est parallèle, hein, si j'ai une parallèle, voilà, je peux dire que
AX1 vaudra alpha, alpha i. Ça veut dire que les deux vecteurs sont parallèles. Bon, mais X1B vaudra bêta j. Ouais, donc le X1B, il est là. Voilà. Ça veut dire qu'ils seront parallèles. Voilà, donc en fait, et c'est ça le but du jeu, on va décomposer en i et en j. Voilà. Donc, si j'écris l'équation de la droite AB vectoriel, hein, AB égale lambda AC, même comme j'ai posé un repère, le A a une coordonnée x1, y1, et le B, x2, y2, et le C, c'est un point quelconque de la droite que je vais appeler XY. C'est un point quelconque. Bon, je vais même dire, ouais, et là, la petite erreur, c'est bon, pour éviter tout problème de rapport de section, je veux dire, dans ce cas-ci, et pour éviter d'avoir un 1 sur lambda et pas lambda, hein, parce que j'avais fait une vidéo, à un moment donné, je trouvais 1 sur lambda. J'avais dit que c'était valable. Hein, si vous allez revoir les vidéos, j'avais deux équations possibles. Toutes les deux étaient valables. Hein. Voilà, toutes les deux étaient valables. Mais il y en a un qui me donnait une sur lambda. Alors j'ai dû de préférence prendre une autre. Donc, pourquoi se prendre 1 sur lambda? Pourquoi j'avais 1 sur lambda? C'est tout simplement parce qu'en fait, ici, le B doit constituer le point où. Qui se balade sur la droite et non pas un point fixe. Voilà, le problème il est là. Et si je l'ai mal fait, je vais avoir en faisant ça, je vais avoir 1 sur lambda. En écrivant ça, j'aurai 1 sur lambda. Et c'est tout à fait logique parce que le point XY, il est sur C. Donc, fatalement, c'est comme si j'avais AC est égal à 1 sur lambda AB. Voilà, et donc c'est bien juste, c'est bien ce que je vous racontais. Voilà. Alors, pour éviter d'avoir 1 sur lambda du fait que C est à l'extérieur. Voilà, pour éviter ce cas de figure-là d'avoir 1 sur lambda, bien, je vais prendre le B qui vaut XY. Voilà, et C qui vaut. Ouais, tout ça, c'est dû au fait de ce que je viens de vous dire. C'est qu'en fait, là, j'avais le XY qui était là. Donc si je dois me référencer par rapport à XY, j'aurai 1 sur lambda. Hein, voilà. Maintenant, je vais mettre le XY là pour B et le C vaudra X1, Y1. X2, Y2. Voilà. Et là, j'aurai bien ceci, lambda, et non pas 1 sur lambda. Oui, et ça, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le s'il est à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement parce que j'ai pris ici l'inconnu, enfin le point déterminé XY doit être sur B et pas sur C, parce que si vous mettez sur C, l'équation va vous donner 1 sur lambda. Alors pour avoir lambda, ben, il faut essayer d'avoir le XY là en B. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc ici, on va faire ça. Donc AB, je vais aller vite parce que tout ça a été vu auparavant. AB, c'est bien sûr l'abscisse en i, hein. Si je prends l'abscisse enfin les composantes en i, ben on sait bien que b en x, c'est x moins x1 fois i. Donc là, j'aurai la composante en i. Allez voir les autres vidéos, j'avais bien expliqué ça. Donc ici, je vais aller un peu vite. C'est pas de but de réexpliquer tout. Donc x moins x1 fois i est égal à lambda. X2, là on aura AC, c'est les composantes entre A et C. Or, le C vaut X2 et le A vaut X1. La différence des deux fait X2 moins X1. Encore une fois, c'est juste un rappel. Allez voir les autres vidéos. Bon, là, normalement, je ne devrais même pas montrer ça, mais enfin bref. Fois bien sûr I. Hein. Et le J, et par rapport en Y, ben, vous comprendrez que si je fais des parallèles, on aura AB, c'est Y moins Y1 fois J est égal à toujours lambda. C'est le même lambda. Hein. Attention que c'est le même lambda. Voilà. Lambda fois
y2 moins y1 qui est AC, si vous voulez. J. Ah. Alors, je simplifie les i ensemble et les j ensemble pour ne prendre que, si vous voulez, les composantes. Et si je prends les composantes, x moins x1, y moins y1 est égal à lambda x moins x1 et y moins y, x2 moins y1, y2 moins y1. Voilà. Voilà. Et ça, il s'agit de l'équation, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, l'équation paramétrique de la droite D dans un plan, c'est-à-dire en deux dimensions. Bon, là où on a posé un repère à deux dimensions. Alors, si je prends ces deux-ci, x2 moins x1, point virgule, y2 moins y1, ça constitue ce qu'on appelle les paramètres directeurs de la droite. En 2D, bien sûr. Hein. Ce sont les paramètres. C'est un système de paramètres directeurs de la droite. Voilà, c'est un système de paramètres directeurs de la droite. Donc, et vous savez très bien que l'équation paramétrique de la droite peut se résoudre à ceci. Le lambda est le même, hein. C'est l'équation paramétrique. Équation. Donc, quand on écrit avec un paramètre, on peut écrire l'équation paramétrique du cercle, de l'ellipse, l'équation paramétrique de ce que vous voulez. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite. Voilà. Avec un paramètre qui est lambda. On peut l'appeler tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Alors, on peut écrire que x moins x1 est égal à lambda x2 moins x1. Voilà. Et y moins y1 est égal à lambda y2 moins y1. Qu'est-ce qui réunit les deux composantes en x et en y? Ben c'est le fameux lambda là. Donc en l'éliminant, je vais réunir les deux équations en une seule. Hein, relier les x et les y en même temps. C'est grâce à ce paramètre-là qui est le même qui va faire en sorte que je peux écrire en une seule équation qui est x moins x1 en l'éliminant. C'est-à-dire, je vais diviser x moins x1 par x2 moins x1. Voilà, qui est égal à bien sûr y moins y1 sur y2 moins y1 est égal à lambda. Voilà. Et on voit le système de paramètres directeurs x2 moins x1, y2 moins y1 qui est là. Alors maintenant, si j'écris ceci, x moins x1 sur y moins y1, tout d'abord, je vais partir de ça. Donc là, il faut faire attention, parce que je vais dire, on ne peut pas diviser par 0. On ne peut pas diviser par 0. Donc ici, x2 moins x1, si j'écris ça, il doit être différent de 0. Et si j'ai écrit ça, y2 moins y1 doit être différent de 0. Alors, que signifie x2 moins x1? Nul. x2 moins x1 est nul si x2 égale x1. Donc, si je prends le cas de figure x2 moins, le paramètre directeur x2 moins x1 en x, le paramètre directeur en x vaut 0, ça veut dire qu'x2, et bien sûr que je prends y2 moins y1 différent de 0, j'ai un cas de figure où x2 égale x1. Ça veut dire que dans l'équation, j'ai x moins x1 égale lambda x2 moins x1, ce qui veut dire que x moins x1 est égal à lambda fois 0, ce qui veut dire que x moins x1 égale 0, ce qui implique que x égale x1. Par contre, le y, on aura y moins y1 est égal à lambda y2 moins y1, c'est différent de 0 ici. Donc ça veut dire que tous les points sont égaux à x1. Donc en fait, on a une droite qui est, je veux dire, comme ceci.
parallèle à l'axe des y. Tous les points équivaut à une constante, quel que soit x, quel que soit le y, je m'excuse, quel que soit le y ici, le y ce sera y égale lambda y2 moins y1 plus y1. Là vous trouverez le y. Alors quel que soit le y calculé ici, ben, on aura une droite qui est parallèle à l'axe des y. Ça veut dire que x égale constant. C'est un cas particulier de paramètre directeur où paramètre directeur en x est nul. Maintenant, on va prendre d'autres cas de figure. Toujours par rapport à ça. Bien sûr, ça, je ne peux pas avoir dans les études de fonctions, je ne peux pas avoir hein, ça. Y égale constante. Enfin, x égale constante, ce n'est pas une fonction en analyse, mais je peux tracer ça en géométrie analytique dans le plan. Ça, c'est pas un problème. Bon, ceci étant dit, supposons que maintenant on fait tout le contraire. On a x1, x2 différents de 0 et y1, y2, y1 égale 0. Là, vous comprendrez que si j'ai réécrit par rapport à Y, j'aurai Y moins Y1 est égal à lambda Y2 moins Y1 avec Y2 moins Y1 égale 0. Voilà. Et bien sûr, je dois prendre les composantes en X qui vaut X moins X1 est égal à lambda lambda x2 moins x1. Voilà. Voilà les composantes en x et en y. Y2 moins y1 vaut 0. Donc ce qui veut dire que y2 moins y1 ici vaut 0. 0 fois lambda, ce qu'il faut est 0. Donc, et ceci peut s'écrire y égale y1. Donc ce qui veut dire qu'ici, on a y égale constante, quel que soit le x calculé qui vaut x égale lambda x2 moins x1 plus x1. Voilà, donc quel que soit x, le y égale constante. Donc ici, c'est une droite particulière qui est une droite qui est parallèle à l'axe des x. C'est y égale constante. Voilà. Voilà, y égale constante. On est parallèle à l'axe des x. Bon, maintenant, un cas particulier de tout ça. Si on a un système de paramètres directeurs nuls, hein, on a x2 moins x1, y2 moins y1. Au départ, j'avais montré que si on avait ceci, voilà un système de paramètres directeurs avec 0 et un nombre, hein, y2 moins y1 donnant un nombre différent de 0, là on avait une droite parallèle à l'axe des y. On est parallèle à l'axe des y. Voilà, une droite, on a une droite comme ceci. Si maintenant j'ai x2 moins x1 différent de 0, mais y2 moins y1 qui est nul, voilà un système de paramètres directeurs comme ça, vous aurez compris qu'on a quoi? On a une droite qui est parallèle à l'axe des x, je vais de le faire maintenant. Et maintenant, si on avait ceci, nul ici, un système de paramètres directeurs nul, c'est qu'il n'y a pas de direction, donc on n'a pas de droite. Pas de droite. On va le faire tout de suite. On aura un point, si vous voulez. On n'aura pas de droite, on aura un point. D'où l'équation AB, AB égale lambda AC. J'ai bien fait de retirer lambda appartenant à R0, sinon j'aurai un point. Et un point n'est pas une droite. Est-ce que c'est un cas particulier? Ben, on ne peut pas dire que c'est un cas particulier, après c'est un point. Alors, une droite est constituée de points, donc une droite n'est pas un point. Une droite n'est pas un point. Un point, c'est un point. Avec un point, on fait des droites. On fait une droite, mais d'une droite, on ne peut pas faire un point.
On peut en extraire un point d'une droite, oui, mais un point, c'est un point, c'est pas une droite. Voilà. Donc, en fait, le lambda appartient bien à R sauf 0. Et donc, quand on a un système de paramètres directeurs 0, 0, c'est-à-dire qu'on aurait y moins y1 est égal à lambda, y2 moins y1 avec y2 moins y1 égale à 0, et x moins x1 égale à lambda, x2 moins x1 avec ceci qui est nul. Mais là, on a, parce que je viens de dire que le paramètre de directeur, système de paramètres directeurs vaut 0, hein, paramètre directeur de la droite vaut 0, 0. Donc celui-ci vaudra 0, x2 moins x1 vaudra 0. Voilà. 0 fois lambda, ce qui fait 0. Voilà. Et ici, 0, ça va me donner 0 ici. 0 fois lambda, ce qui fait 0. Voilà. Et donc, là, on a x égale x1 et y égale y1. Et là, ça, on a une coordonnée x1, y1, c'est un point. Donc, un point, c'est un cas particulier de droite, si vous voulez. On peut dire qu'un point, c'est un cas particulier de droite. C'est une droite avec un système de paramètres directeurs nul. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, on obtient ceci aussi quand lambda vaut 0. Hein. Si lambda vaut 0, dire que si j'écris AB égale lambda AC, avec lambda, si le scalaire est nul, on a 0 fois AC, ce qui donne le vecteur nul. AB vaut le vecteur nul, ce qui veut dire que si le vecteur AB égale le vecteur nul, ça veut dire que A égale B, A et B sont confondus, on a un point. Voilà. Ceci étant dit, on va écrire l'équation y moins y1 est égal à, en partant tout d'abord de x, composante en x, x moins x1 sur. Donc on a éliminé notre paramètre hein, tout à l'heure. On a dit que x moins égale lambda x2 moins x1. Y moins y1 est égal à lambda y2 moins y1. Bon, j'élimine le paramètre. Si j'élimine le paramètre, j'ai x moins, pour la première équation, pour la seconde, x moins x1 sur x2 moins x1 égale lambda. C'est égal à quoi? Y moins y1 sur, je retire de la deuxième, y2 moins y1. Comme je dis, le lambda, il est commun. Paramètre, c'est un paramètre commun aussi bien en x qu'en y. Voilà, j'ai lambda. Donc, si je réécris l'équation x moins x1 sur y moins y1, qui bien sûr est égal à lambda, ça fait x2 moins x1 sur y2 moins y1. Or, ceci, c'est delta x sur delta y. Donc, qu'est-ce que c'est que le lambda? Ben, c'est le coefficient angulaire de la droite. C'est le coefficient angulaire de la droite. Delta y, non, c'est delta lambda. Oui. Si je l'écris en l'envers, x. Oui, c'est plutôt ceci qu'il faut faire, je m'excuse. On le définira de cette manière-là. C'est plutôt le y2 moins y1 qui va monter par là, et le x2 moins x1, et le y moins y1 va aller par là. Donc on aura y2 moins y1 sur y moins y1 est égal à quoi? X2. Non, si je m'excuse, je vais laisser le. Non, c'est donc c'était juste, hein, c'est bien. Quand on a un point ici A, B par exemple, j'ai x2, y2, ici x1, y1. Ben, pour avoir le coefficient angulaire, c'est-à-dire la tangente, côté opposé,
Sur côté adjacent, or l'opposé, c'est delta y ici. C'est y2 moins y1. Côté opposé sur le côté adjacent, et le côté adjacent, c'est bien delta y sur bien delta y sur delta x. Côté opposé, bien, oui, c'est ça, c'est la tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc c'est delta y sur delta x, et non pas delta x sur delta y. Donc, delta y, pour avoir delta y, c'est y2 moins y1. Je laisse le x2 moins x1. Côté opposé. Côté opposé, oui, bien delta y. Sur côté adjacent. Delta y sur delta x, ça. Donc ici on a bien delta y sur delta x. Vous voyez, c'est juste. Et là on a bien x moins x1, y moins y1. Hein, celui-ci je le laisse là. Par contre, lui, il va descendre, hein, parce que de l'autre côté, c'est x moins x1. Et donc, ceci, ça fait toujours lambda. Donc, le lambda, comme je vous disais tout à l'heure, c'est bien le coefficient angulaire de la droite. Lambda vaut bien le coefficient angulaire de la droite. Lambda vaut bien le coefficient angulaire de la droite. Donc, je peux écrire quoi? Je peux écrire que y moins y1 sur x moins x1 est égal à lambda. Ouais, mais ceci, c'était lambda, on vient de voir que c'est le coefficient angulaire. Coefficient angulaire, c'est y2 moins y1, le tout sur x2 moins x1. Donc, ceci, je le refais passer de l'autre côté. Je vois y moins y1 est égal à lambda qui vaut y2 ou delta y sur delta x ou lambda x moins x1. Voilà. Et ça, c'est une deuxième forme de droite, d'équation de droite. Voilà. C'est une deuxième forme d'équation de droite. C'est l'équation de droite connaissant le coefficient angulaire lambda et on connaît un point de passage, si vous voulez, x1, y1. Là, on utilise cette équation de droite quand on connaît le coefficient angulaire et un point de passage. Ça, c'est la deuxième équation de droite. La troisième, maintenant, grâce à ça, je peux trouver une troisième équation de droite. Comment? Mais y moins y1 est égal à lambda x moins x1. Si je multiplie lambda par x et par x1, j'aurai y moins y1 est égal à lambda x moins lambda x1. Je fais passer le y1 de l'autre côté. J'aurai y égale lambda x moins lambda x1 plus y1. Ceci constitue un nombre, hein, puisque lambda, c'est le coefficient angulaire. x1, c'est l'abscisse d'un point. Et y1, c'est l'abscisse d'un point. Tout ça étant connu, vous calculez tout ceci. On va l'appeler voilà, on va l'appeler P. Et lambda, on l'appellera à ce moment-là m, comme on appelait tout ce coefficient p, hein, on appellera m. Et on a la troisième équation de droite qui est lambda égale mx plus p, ou dans les études de fonction, y égale ax plus b. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a deux paramètres, m et p. M et p. Qu'est-ce que m? Mais c'est le coefficient angulaire lambda, hein, ou delta y sur delta x. Qu'est-ce que c'est que le P? C'est l'ordonnée à l'origine, tout simplement. Le P est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point de coupure avec l'axe des Y. Quand, si vous voulez, c'est quand x vaut 0. Hein. Quand x vaut 0, ça coupe l'axe des Y, on a un point P, qui peut être positif ou négatif ou nul. Voilà. D'ailleurs, si P est différent de 0, hein, on a une droite affine, et si P égale 0, on a une droite linéaire. Voilà. C'est encore du vocabulaire, mais ça, c'est que le P, je peux le calculer comment le P? Mais le P, ce sera tout bonnement
le P, si vous voulez une formule du P, hein, connaissant le coefficient angulaire et le Y, et les points de passage, ce sera Y1 moins lambda X1. Voilà que vous, comment on calcule le P. Voudra Y1 moins lambda X1. En d'autres termes, vous pouvez le trouver autrement. Hein. Regardez. Connaissant y égale mx plus p, eh bien vous faites tout simplement y moins mx égale p. Vous le faites passer par un point de passage x1, y1, et vous avez p. Voilà. Vous avez p, y1 moins mx1. Vous calculez P. Attention que x1, y1, c'est un point de passage, c'est un point A, x1, y1. C'est un point de passage de la droite. Donc, il est assez aisé de trouver le P. Connaissant bien sûr un point de passage et le coefficient angulaire. Hein. Connaissant un point de passage, coefficient angulaire, vous trouvez le P facilement. Voilà, donc en fait, je vais vous résumer un petit peu les trois équations de droite. Bon, il y a la paramétrique. X moins x1 est égal à lambda. X moins x2 moins x1. Y moins y1 est égal à lambda. Y2 moins y1. Il y a la deuxième droite qu'on a vue, c'est y moins y1 est égal à lambda x moins x1, on a le coefficient angulaire, et on a un point de passage. Et enfin, ça c'est la première, la deuxième équation de droite, et enfin une troisième équation de droite qui est y égale mx plus p, où m c'est en fait c'est lambda. M vaut lambda. Mais lambda, on a vu aussi que lambda valait y2. Si on a deux points de passage, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Voilà que vaut lambda. M ou lambda. Si on a deux points de passage, on sait trouver le lambda facilement. Et que vaut ce point P? Mais ce P vaut y1 moins mx1. Ou y2 moins mx2 ou x2, du moment que je prends un point de la droite. Voilà. Et donc ça c'est la troisième forme d'équation de droite que l'on peut avoir. Voilà. Bon, je peux en mettre une quatrième. Je vais partir à partir de celle-là. Voilà. Y moins y1 est égal à lambda x moins x1. Y moins y1 est égal à lambda x moins x1. Bon, si je multiplie, y moins y1 est égal à lambda x moins lambda x1, je le distribue, et je vais faire écrire ça sous forme d'équation. Donc je vais écrire, je vais ramener tout à gauche, y moins lambda x moins y1 plus lambda x1 égale 0. Ça sent que lambda, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Voilà. Si je mets tout en x2 moins x1, j'aurai x2 moins x1
pour y, moins y2 moins y1 pour x, plus lambda x1 moins y1 égale 0. Ce qui veut dire que j'aurai, si x2 moins x1 est différent de 0, je peux simplifier, bien sûr. Déjà, je peux diviser si x2 moins x1 est différent de 0. x2 moins x1, y, moins y2 moins y1, x, plus lambda 1, lambda x1 moins y égale 0, et une équation de droite. En d'autres termes, je peux écrire ceci. Moins y2 moins y1, x, plus x2 moins x1, y, plus lambda x1 moins y1 égale 0. Bien sûr, ici, on retrouve l'équation dans y égale mx plus p. En fait, là, on retrouve moins p, hein, parce que p vaut y1 moins mx1. Or, là, on a l'opposé. C'est normal parce qu'on a fait passer dans le membre de gauche. Donc, ici, si vous voulez, j'ai moins p. Si c'est moins p. Et donc, je peux avoir l'équation de la droite qui est écrite sous forme de AX plus BY plus C égale 0. Voilà. Le A vaudra moins Y2 moins Y1. Le B vaudra X2 moins X1. Donc, pour avoir le coefficient angulaire m, mais en fait c'est moins a sur b, moins a, parce que le a est négatif, ici il est opposé, il est avec un signe moins, il est avec un signe moins. Donc comme on sait bien que le coefficient angulaire m ou lambda, ben, on sait bien que c'est delta y sur delta x et pas moins delta y sur delta x. Or ici j'ai moins delta y sur delta x. Donc, je dois rajouter un moins pour retrouver delta y sur delta x. Alors, donc, le a vaut moins y2 moins y1 fois x, plus x2 moins x1 fois y. Donc, le a vaut moins y2 sur moins y1, b vaut x2 moins x1, et le c vaut l'opposé de p. C'est l'opposé de p. Voilà, et donc ça, c'est une cinquième équation de droite. Voilà. Donc vous en avez ici, vous en avez cinq. Les cinq équations de droite. Bon, on peut regarder les cas particuliers. Si x2 moins x1 vaut 0, c'est-à-dire que ici, 0 fois y, ça fait 0. X2 moins. Donc on a, normalement, ça doit être parallèle à l'axe des y, hein. Effectivement, j'aurai ax égale moins c, donc x égale moins c sur a, x égale moins c sur a, qui est une constante, moins c sur a, c'est une constante. Donc x égale constante, c'est bien parallèle à l'axe des y. Maintenant, si y2 moins y1 égale 0, eh bien, j'aurai le a qui vaut 0 ici, voilà, donc il restera by égale BY égale moins C, Y égale moins C sur B. Moins C, Y vaut moins C sur B. Donc, ce qui veut dire qu'on a une droite parallèle à l'axe des X. Voilà. Donc, si j'annule ceci, si le B vaut 0, par l'intermédiaire, ben, de X2 moins X1 égale 0, ben, là, j'ai une droite parallèle à l'axe des Y, mais si j'annule celui-là, là, j'ai une droite parallèle à l'axe des X. Mais, dans tous les cas de figure, je ne peux pas avoir A et B nul. Parce que là, à ce moment-là, je n'ai plus l'équation de droite. Parce que si A est nul et B est nul, on a un point.
Un point. Je vais avoir 0, 0. Voilà. Plus c, c'est égal à 0. J'ai plus l'équation d'une droite. Hein. Non, plus. Voilà. Donc je peux pas avoir. Je vais avoir AB différent de 0, s'il vous plaît. Tous les deux différents de 0. Un des deux peut être nul, mais pas tous les deux en même temps. Un peut-être, mais. Ah, voilà. Ils peuvent pas être nuls en même temps. Sinon, j'ai pas de droite. Rappelez-vous que bon, si j'ai tous les deux y2 moins y1, x2 moins x1 nul, tous les deux, à ce moment-là, j'ai un point. C'est un point. C'est pas une droite. Donc on aurait un point confondu. Hein. Y2. Si y2 égale y1 et x2 égale x1, c'est deux points qui sont confondus. On a un point. On ne va pas avoir l'équation d'une droite avec un point. On aura un point. Pour avoir une droite, il faut. Elle se décrit au travers d'une équation de deux points distincts. Là, j'ai une droite. Mais si j'ai voilà, qu'un seul point, j'ai pas une droite. Maintenant, si on peut philosopher, est-ce qu'un point c'est une droite? C'est une droite particulière. On peut philosopher sur à ce niveau-là. En général, quand on fait de la géométrie, une droite et un point sont distincts au niveau des définitions. Un point, c'est un point, une droite, c'est une droite. Une droite est constituée de points, voilà, alors qu'un point, c'est un seul point. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas des cas particuliers d'une droite qui vont donner un point au niveau des équations? Oui, pourquoi pas, bien sûr, c'est ce que j'ai vu ici. On peut dire que un point peut être une particularité de la droite. Oui, mais ça, je veux dire, philosophiquement parlant, on retombe dans ce qu'on appelle des discours philosophiques et non plus des discours mathématiques, en fait. Voilà. Voilà. Ici a été vu, si vous voulez, la première équation de droite qui est x moins x1 égale lambda y moins x2 moins x1. Y moins y1 est égal à lambda y2 moins y1. Voilà. Ça, c'est une première équation de droite. Une seconde équation de droite qui a été vue, c'est y égale lambda x moins x1. Connaissant le coefficient angulaire et un point de passage, on a vu y égale mx plus p et on a vu y ax sous forme d'équation. L'équation est donnée par ax plus by plus c égale 0. Donc j'ai bien une forme, deux formes, trois formes et une quatrième forme. Voilà, quatre formes de droite. Quatre formes d'équations de droite. Quatre formes d'équations de droite. Bon, il en existe encore d'autres. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est les équations de droite dans un système. Dire un repère rectangulaire. Hein. On est dans un repère rectangulaire. Voilà. Parce qu'il existe aussi la droite sous forme d'équation en repère polaire. Voilà. Là, je suis en repère rectangulaire. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.